Georges Duval. Georges Duval. Ouais. Là, ça aussi, il y a pas de ça. Thank you.
Merci.
se ferme. Ouais les amis, c'est la fin. C'est la fin, c'est scellé. Repose en paix. Que son âme repose en paix, Jacob. Jacob de Varieux, 66 ans, 65 ans. Allez. Eh oui, c'est la triste finalité de la vie. Adieu, adieu Jacob. Oh, ils sont en train de sceller du ciment. Il y a notre ami Dilley d'RCI. Dilley, notre ami avec qui j'ai fait les émissions sport sur RCI. Dilley aussi qui fait du chant, donc je pense qu'elle le connaissait personnellement bien sûr. Bien sûr, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient là. J'ai remarqué beaucoup d'artistes dans la foule. Merci Danmat. Ah, rien n'est raté. Hein. Tant qu'on a la vie, on pourra peut-être le faire. Et oui, il faut profiter pendant qu'on est vivant pour faire tout ce qu'on aime, parce que quand on est mort, on ne peut plus rien faire après. Donc faites ce que vous aimez de votre vivant. Faites ce que vous aimez en respectant bien sûr les autres. Mais accomplissez vos rêves. Ou du moins essayez au moins à fond d'accomplir vos rêves. Essayez à fond. Il est mort à seulement 65 ans. Et c'est vrai que j'ai vu dans des dernières interviews, il disait que il a hâte, il va bientôt prendre sa retraite. Il a hâte. Donc j'ai connu beaucoup de personnes comme ça qui ont travaillé très très dur durant leur vie, très 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 dur, en espérant profiter de la retraite. Et c'est ça qui me fait le plus mal, mis à part le côté artistique, mais le côté la personne passionnée qui travaille dur dans sa vie et qui n'a pas le temps de profiter de ce dont il a travaillé. C'est moi, c'est ce qui me fait le plus mal en fait, parce que je ne le connaissais pas personnellement, sauf par sa musique, par son talent, par son art. Mais quand même, je sais que pour arriver à une certaine qualité musicale qui surclasse les autres, c'est que vraiment, il y avait du travail. Il y avait du travail, il y avait des heures et des heures de travail pour pouvoir surpasser les autres, en espérant pouvoir jouir de tout ce travail ensuite. Ben malheureusement, il n'a pas vraiment eu le temps, parce que jusqu'au dernier temps, il faisait encore des concerts de cassave, des concerts. Donc il n'a pas vraiment eu le temps de profiter, sauf sur scène avec le public bien sûr, mais de se détendre, de profiter vraiment. Il n'était pas loin de la retraite.
que son âme repose en paix. Je sais que c'est un moment qui n'est pas facile pour la famille aussi. Même moi, je ne voulais pas forcément rentrer filmer, mais je pense quand même qu'ensuite, quand ils vont voir ces moments, ça va leur faire plaisir de se rappeler quand même la solidarité, voir la solidarité dans les commentaires aussi, ça fait plaisir. À travers les réseaux, les commentaires, tout ça, ça peut leur faire très plaisir. Le soutien que vous envoyez par les messages. Donc, ils savent que c'est un enfant qui était brillant. Un enfant qui était brillant, donc voilà. Il a fait vraiment briller la Guadeloupe. Et après, chaque personne a ses côtés lumineux et ses côtés sombres. Mais je pense qu'au niveau lumineux, il en a fait beaucoup. Il a amené beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière sur la terre. Et comme je dis, il y a des gens qui amènent que du sombre et qui n'amènent aucune lumière. Même si ce n'est pas beaucoup de sombre, mais qui n'amènent aucune lumière. Et il y a des gens peut-être qui ont effectivement des parts d'ombre, mais beaucoup de lumière. Et moi, c'est ce que je retiens, c'est quelqu'un qui avait beaucoup, 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 beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Et cette lumière, il a fait jaillir à travers le monde entier. Pas seulement la France, mais le monde entier. Le monde entier connaît la Guadeloupe, connaît notre culture, vient visiter en Guadeloupe pour voir d'où vient le zouk, le pays du zouk. Donc il faut qu'on retienne ça bien dans nos têtes. C'est que quand les gens viennent acheter un sorbet, un cinnobol ou quoi que ce soit, ils sortent de France ou d'ailleurs, ils se disent on va aller en Guadeloupe et on ne va pas aller à Bali, on ne va pas aller à Hawaï. Bien souvent, c'est parce qu'ils se disent on va dans le pays du zouk. On va dans le pays du zouk parce qu'on a dansé sur le zouk. On s'est amusé sur le zouk quand on était en France, dans des soirées antillaises des fois, dans des boîtes de nuit, hein, parce que comme je dis, le zouk se jouait partout, 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 partout. Le zouk se jouait partout. Donc du coup, on va dans le pays du zouk. Et ça, il faut qu'effectivement, que chaque 1 euro, 2 euros qui est rentré, on met à cette image-là qu'à vendre sorbet, qu'à vendre sinobolayo, bien souvent, Kavin, de par les personnes qui exportent notre culture, et qui fait que, vous voyez, là, regardez, il y a des touristes. Vous voyez, les touristes, bien souvent, qu'est-ce qui te dit que le touriste qui est là, c'est pas un Antillais qui a amené la culture ailleurs, et que les gens ont dit, tiens, si on allait en Guadeloupe, si on a un peu de budget pour prendre des vacances, si on allait en Guadeloupe, parce qu'on a vu que Teddy Riner, parce qu'il ne faut pas nous parler que c'est là qu'ils sont là, mais c'est là qu'ils vivent là aussi. Teddy Riner, 4 médaillés d'or, tout ça, 4 médailles olympiques. Si on allait dans son pays pour voir d'où lui vient cette puissance, tu vois, toutes ces personnes, il faut les respecter, les amis. Il faut les respecter. Ça, des fois, nous oublier ça et nous laisser nous gangréner par la méchanceté. Mais des mondes comme Teddy Riner, Jacob Desvarieux et toutes les autres personnes qui font que ces messieurs, il faut nous bailler respect à eux. Respect à eux, même respect, ils méritent respect. Respect, 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 respect. Moi-même qui ai voyagé pour les compétitions, quand je parlais de la Guadeloupe, et je voyais de qui on parlait effectivement, qui était déjà venu dans ces zones, comme à Carcassonne, et de d'autres pays en France, qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens qui vont des fois, et bien des fois, c'est grâce à ça, c'est grâce à ces personnes qui ont emmené notre culture. Donc, il faut nous, effectivement, ils ont une belle reconnaissance, une belle, belle, belle reconnaissance. Grande force à la famille surtout. Je pense que le 525, c'est un chiffre qu'on doit retenir. Le 525, c'est un chiffre de la puissance. 525, c'est le chiffre de la puissance. Respect à lui, grand respect à lui. Et de là, il est là, le corps physique est mort, mais vous qui êtes spirituel, vous savez que son âme est là. Son corps physique, son corps charnel est mort, mais son esprit n'est pas mort. Donc priez pour lui, envoyez-lui vos prières, envoyez-lui vos forces, il vous ressent toujours, il vous ressent. Témoignez-lui l'amour que vous avez pour lui, il n'est pas trop tard pour lui témoigner l'amour, vous lui parlez et tout ce que vous allez dire,
tout ce que vous allez dire, il sera entendu. Tout ce que vous allez dire sera prophétisé. Tout ce que vous allez dire, l'univers l'entend. Il l'entend. Il fait partie maintenant de l'univers. Donc n'ayez pas peur de lui parler, de lui dire seulement un merci, Jacob Desvarieux. Le simple fait de dire merci, Jacob Desvarieux, déjà, c'est très bien. Le simple fait de dire merci, Jacob Desvarieux, c'est déjà très bien. Si chaque monde en Guadeloupe, à 400 000 monde, a dit merci, Jacob Desvarieux, ce serait déjà très bien. Allez, les amis, je retourne devant. Je vais faire un dernier live sur la musique parce que c'est mon acabé de bonne musique. Donc, je pense qu'on va faire une dernière en fait avec la musique devant. Donc, reconnectez-vous dans quelques minutes. Appelez-moi les autres chimes chiens là parce que, après, on vise au Vincent François et rentrer dans les chemins chiens. Chou mon gars.